c'est fou ce que c'est beau une fille qui mange. Ah bon? Tu trouves? T'inquiète pas. Il dit ça parce qu'il pense à Anne-Marie. Mais moi, je pense à toi, Sylvie. Oui, mais toi, t'es pas Julien. Les femmes sont terribles. Elles veulent toujours qu'on soit à leurs pieds. Toujours. Remarque, c'est vrai que c'est pas désagréable. Eh, mais vous savez que nous aussi, on est comme ça, hein. J'aimerais tant connaître celle qui sera capable de me dire... Jérémy, t'as de beaux yeux, tu sais. Oui, mais tu serais pas au collège des cœurs brisés si elle existait. Hein? À moins que... Eh, hey, regardez plutôt cette superbe déesse qui arrive. Eh, hey, pas mal. Oh, mais je dirais même plus. Pas mal, du tout. Oui, mais c'est normal qu'elle soit pas mal, puisque c'est une femelle. Bah, non. Eh bien, merci, ça ne fait rire personne. Merci. Bon, et si on invitait un autre homme, hein? Moi, je suis entièrement d'accord. Et vous, les filles? Bien sûr, allez la chercher, avant qu'on vous la vole. Bon, et tous pour un, pour tous, hein, j'y vais. Bonjour. Moi, c'est Jérémy. Je peux t'aider à porter ton plateau? Oui, c'est gentil. Tu sais, on est là, à cette table, là, à côté. Si tu veux, tu peux venir t'asseoir avec nous. Oui, merci, c'est sympa. C'est vrai? Tu veux bien? Oui. On y va? Allez, viens. Mes amis... Bonjour, moi, c'est Sylvie. Et voilà Fabienne. Bonjour, moi, c'est Geneviève. Viens t'asseoir à côté de moi, Geneviève. Non, bon alors, plutôt à côté de moi, là. Parce que tu as besoin de la protection d'un homme fort. Non, non, c'est gentil, mais je préfère rester debout. Mais tu peux pas manger debout? Si, si, j'ai l'habitude. Tu sais, je sais qu'on a l'air très dangereux, mais alors je peux t'assurer que tu peux t'asseoir. Tu n'encours aucun danger, je te promets qu'on sera sage. T'es juré, je ne te ferai pas du pied sous la table. Non, mais t'as pas peur du tout. Et puis même, je sens qu'on peut devenir très bons amis. Bah alors, bah détends-toi et assieds-toi. Mais c'est fini le temps où les femmes restaient debout derrière les hommes, non? Vous avez gagné l'égalité, alors profites-en. Non mais j'y arrive pas. Mais t'arrives pas à quoi? Je peux pas m'asseoir. Tu es timide, c'est ça? Et nous, on t'impressionne. Non, non, c'est pas du tout à cause de vous. C'est impossible pour moi, je peux pas m'asseoir. Mais pourquoi? C'est pas grave, vous occupez pas de moi. Oh, la pauvre! Elle est peut-être blessée? Ça te fait mal de t'asseoir, c'est ça? Jamais, jamais plus je pourrais être assise. Merci, Fabienne. C'est vrai, je peux prendre la planche du dessus? Ça me fait vraiment plaisir d'être dans votre chambre. J'espère qu'on va bien s'entendre. Mais oui, t'inquiète pas. Tiens, ton lit, c'est celui-ci. Ah, très bien. Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mesure la hauteur. Du plafond? C'est important? C'est indispensable. Oui, Fabienne, je suis comme toi, je comprends rien. Vous pouvez m'aider à fixer cette barre au-dessus de mon lit? Cette barre? Au-dessus de ton lit? Bah ouais, faut qu'elle tienne bien, vous comprenez? Mais tu sais, il y a une salle de sport au collège et elle est très très bien équipée. Bah oui, je sais bien, mais faut bien que je me repose. Tu veux dire que t'as besoin d'une barre pour te reposer? Bah ouais, la nuit. La nuit? Bah tu sais, c'est fatigant de rester debout toute la journée. Tu veux dire que dans la chambre non plus, tu ne vas pas t'asseoir? Ah non, je pourrais pas. Mais regarde, le matelas est tout doux. Tu pourras peut-être essayer. Ah non, non, surtout pas. On va t'aider avec Fabienne, en le faisant tout doucement. Non, jamais je pourrais. Jamais. Et si tu commençais par t'allonger? Délicatement. Je ne m'allonge jamais. Non plus? Tu veux savoir comment je fais pour dormir? Eh ben, c'est très simple, je dors debout. Tu dors debout? Mais comment ça? C'est pour ça que j'ai une barre. Quand je suis fatiguée, je m'accroche. Vous voulez que je vous montre? Non, non, c'est pas urgent. Très bien. Mais ça fait longtemps que tu vis comme ça? Enfin, je veux dire que tu t'assois pas. Oh, bah oui, maintenant j'ai l'habitude, hein. C'est juste un pli à prendre, après on s'y fait. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, excuse-moi, tu dois me trouver indiscrète. Mais c'est tellement surprenant. Tu crois, Fabienne? C'est depuis que tu as le cœur brisé? Oh,
Oh, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a battu? Oh non. C'était un accident? Plus. T'as raison, Fabienne. J'arrête de poser des questions. Oh, pauvre. C'est normal que vous vouliez savoir, mais... Oh non, c'est trop pénible. Oh, ma petite Geneviève. Allez. Oh, cette éternelle station debout. C'est-à-dire que... Je peux pas me poser sur... Sur mon... Oh, Fabienne, il faut la sauver avec l'exercice. Allez, Geneviève, répète après nous. J'oublie, tu oublies, elle oublie, nous oublions, vous oubliez, elles oublient. J'oublierai, tu oublieras, elle oubliera, nous oublierons, vous oublierez, elles oublieront. La pauvre petite. C'est un des cas les plus tristes que nous ayons eus. Je ne sais même pas si nous réussirons à la sortir de là. Oh, allons, Mathilde, que vous arrive-t-il? C'est la première fois que je vous vois défaitiste. Mais c'est parce que je me mets à sa place, François. Ce garçon qui lui a brisé le cœur est un monstre. Hélas, il n'est pas unique. Tous nos pensionnaires sont victimes de monstres, ma pauvre Mathilde. Même nous. Oui, mais là, c'est encore plus grave, car... Comment s'appelle-t-il déjà? Jean-Luc. Oui, eh bien ce Jean-Luc est un pervers de la pire espèce. C'est vrai qu'il l'a atteinte au plus intime d'elle-même. Il a touché au plus délicat, au plus secret d'une femme. Et ça, François, c'est un crime. C'est vrai que c'est terrible. Tant de méchanceté, de perversité. Et devant témoin en plus. Oui, et le jour de son anniversaire. Devant tous ses amis. Il lui a offert cet alphabet en bois. C'est infâme. Et il manquait une seule lettre. Le cul. Ce n'est pas tout. Il y avait une carte. Sur laquelle il avait osé écrire. Je n'ai pas pu mettre le cul. Il est comme le tien. Il est trop gros. Et voilà pourquoi depuis, Geneviève ne peut plus s'asseoir. Ni s'allonger. Elle a pris son postérieur en horreur. Comme je la comprends. Il l'a complexé à jamais. Oh, ne dites pas ça, Mathilde. C'est vrai, François. Maintenant, elle est avec nous. Et nous allons l'aider. Mais il ne faut pas sous-estimer son problème. Le derrière d'une femme, François, c'est sacré. Et pour cette pauvre Geneviève, c'est devenu honteux. Comment la guérir? Sans oublier que le fait de rester debout a des conséquences terribles sur son état de santé. Évidemment. La circulation du sang se fait mal. Il faudrait qu'elle puisse au moins allonger ses jambes. Mais comment allonger ses jambes sans poser son... Oh, merci, François. Sans vous, je tombais. Vous voyez, c'est impossible. Oui. Il va nous falloir beaucoup de tact pour en parler aux autres pensionnaires. En parler? Mais vous n'y pensez pas? Vous nous voyez en train de leur raconter qu'elle a été abandonnée parce qu'elle a de grosses fesses. Vous avez raison, Mathilde. C'est vrai que c'est un sujet trop délicat qui peut prêter à rire. Et ce serait pire encore. Si jamais il se moquait de Geneviève, il n'y aurait plus aucun espoir de guérison. D'un autre côté, il est difficile de ne pas leur donner une explication. Avec cette fille toujours debout, ils s'interrogeront. Et vous verrez, ils viendront nous demander pourquoi. Il faut que nous prévoyions une réponse. Mais laquelle? Réfléchissons, Mathilde. Il faut trouver quelque chose. Quelque chose de crédible. Oh, François, nous allons devoir leur mentir. Mais c'est contraire à tous nos principes. Je vous reconnais bien là, Mathilde. Votre honnêteté, votre intégrité. C'est vrai, François. Je ne sais pas dissimuler mes sentiments. Hélas. Non, moi c'est bon. Ah non, c'est bon. Eh oui, parce qu'il faut que tu dis. Oh, mais je rêve. Le beau Julien a oublié sa casquette. Dis-nous, à force, on avait oublié que t'avais des cheveux, toi. Ne volez pas, les copains. Pour me coiffer comme ça, il m'a fallu presque une heure. Oh, mais quel résultat. On dirait Gary Cooper. Mais tu serais pas un petit peu amoureux, toi? Je sais pas, mais... Eh, les copains, il faut que je vous dise. Depuis que Geneviève est arrivée, je me sens tout drôle. Bon, elle t'a même pas regardé. Elle a même pas voulu s'asseoir à côté de toi. Non, t'as aucune chance. Et je vous rappelle qu'à vous aussi, elle a refusé, hein? Non,
Je pense que c'est parce qu'elle était troublée. Non mais le tombeur, le fauteur de troubles, c'était toi. Ben, procédons par élimination. Avec Gérard, c'est impossible. La place est prise par Angèle Gauthier. Ah oui. Ah oui. Reste-toi et moi. Oui. Et alors moi, comment tu me jettes? T'es mon copain, oui ou non? Mais bien sûr, je suis ton copain. Eh bien alors, tu me le prouves et tu ne chasses pas sur mes plates-bandes. Tu me laisses, Geneviève. Eh ben, c'est expédié, ça, au moins. Ouais. Écoutez, les copains, je plaisante pas. Vous l'avez vu marcher? On dirait une gazelle. Et ses cheveux pleins de soleil, et les étoiles dans ses yeux. Ce qu'il a l'air accro, notre petit Julien. Attends, Jérémy, sois sympa. T'assois pas là, je l'attends. J'ai envie de la sentir près de moi, la folle. Tu vois, Fabienne, monsieur Rambier est pas là, on n'est pas en retard. T'as raison, Julien a changé de coiffure. Qu'il est beau. Tu crois que c'est pour moi? Que veux-tu? C'est la vie. T'as fini ton devoir, toi? Oh non, tu parles. J'y suis pas arrivée, avec un sujet pareil. La solution de l'amour se trouve hors de l'amour. Avec ce qui m'arrive, j'y suis pas arrivée. T'as raison. Faut que je me calme. Comme toujours. Dis, Gérard, ça fait longtemps que vous êtes là? Oui, mon petit lapin en sucre. Et j'ai bien l'impression qu'il est en train de nous en poser, hein, de lapin de prof préféré, parce que... Mais pourquoi vous dites ça? On était en avance, c'est tout. Oui, ben moi, ça m'étonnerait, hein, parce que ma montre, elle est parfaitement exacte, et monsieur Rambier devrait être là depuis 5 minutes, 14 secondes... Mais, et Geneviève, pourquoi elle est en retard? Ah ben, demande aux filles, elles partagent la même chambre. Dis, Sylvie, t'as pas vu Geneviève? Tiens, c'est vrai, elle est pas là. Ben, c'est curieux. Pourtant, elle est partie de la chambre avant nous. Oh, mon Dieu. Elle s'est peut-être perdue dans les bâtiments. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Mais non, arrête de délirer. Mais je délire pas. Elle me ment. Non, moi, j'en peux plus de l'attendre, je vais la chercher. Non, Fabien, ne me retiens pas. Il s'est sûrement passé quelque chose. Il faut que je sache. Non, mais Sylvie, ne me fais pas cette tête-là. Ça lui passera. Hein? Oui. Ça lui passera. C'est vraiment très gentil à vous, monsieur Rambier, mademoiselle Gauthier, de faire tout ça pour moi. Mais voyons, ma petite, c'est tout à fait normal. Force de rester debout, vos problèmes de circulation sont terribles. J'ai l'habitude, hein. Puis même si j'ai des varices, de toute façon, elles n'ont plus vraiment besoin d'être belles, mes jambes, maintenant. Mais pourquoi dites-vous ça, ma petite Geneviève? Des belles jambes, c'est très important pour une jeune fille. Je peux vous dire que vous avez de très belles jambes. Pardon, Mathilde. C'est bien, François. Vous avez raison. Geneviève a de très belles jambes. De très longues jambes. Oui, mais... Bah, ça sert à rien parce que... Parce que mes jambes... Oh, mon Dieu. Mais que y a-t-il, bon enfant? Calmez-vous. Ah non, c'est rien. Je suis désolée, j'ai une pensée horrible. Laquelle? Dites-la-nous. Eh ben, c'est que mes jambes, quand elles se rejoignent, eh ben, ça fait... Mathilde, elle est en crise. Allons-y. J'oublie, tu oublies, elle oublie, nous oublions. Nous oublions. Vous oubliez, elles oublient. Elles oublient. Oh, ça fait du bien. Ça va mieux. Excusez-moi, je suis désolée. Oh, mais non, Geneviève, ne vous excusez pas. C'est tout à fait naturel. Le tout, c'est que vous vous en sortiez. Allez, remettez-vous en position. Nous allons finir de vous masser les jambes. Ça ne vous ennuie pas, François, de continuer sans moi? Je dois aller prévenir les autres élèves que le cours va être retardé. Mais non, Mathilde, je vous en prie. J'y vais. À tout de suite. Courage. Merci, mademoiselle. Elle est tellement gentille. Mathilde, c'est une perle. C'est incroyable, tout le monde est tellement gentil ici avec moi. Mais voyons, c'est normal. Allez, remettez-vous bien en position. Monsieur Rambier, merci. Oh, j'ai honte. Mais non, mon enfant, vous n'avez pas à avoir honte. Vous êtes tellement gentil, monsieur Rambier. Ah, ne bougez pas. Voilà. Oui, monsieur Rambier. Laissez-vous faire. Je
espèce de vieux dégoûtant. Hein? Je vais te tuer, moi. T'as raison, Fabienne. Ça commence à devenir inquiétant. Oh, Julien qui est toujours parvenu. Venez vite! Julien est devenu fou! Ne vous inquiétez pas, Mathilde. Tout est arrangé. Excusez-moi de ce retard, mais j'ai été retenu par votre nouvelle condisciple. Allez vous asseoir, ma petite Geneviève. Excusez-moi. Enfin, je voulais dire, installez-vous là. François, ça va? Mais oui, Mathilde. Vous savez, j'ai la tête solide. Excusez-moi, ma chambre. Oh, ce n'est rien, mon petit Julien. Vous savez, quand on est jeune, il est normal d'avoir le sang chaud. Allez vous mettre à votre place. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Si elle reste comme ça, je vais rien voir du tout. Mais t'es vache, hein. C'est très bien qu'elle peut pas faire autrement. Mais ouais, mais je vois rien. Mes amis, j'ai commis une grave erreur. J'aurais dû vous expliquer le problème de Geneviève. Cela aurait évité bien des malentendus. Mais non, François, c'est de ma faute. C'est moi qui vous ai conseillé de ne rien dire. Mais non, Mathilde, tout est entièrement de la mienne. Il ne faut jamais cacher la vérité. D'autant plus qu'ici, au collège des Cœurs Brisés, nous savons tous qu'il ne faut jamais rire du malheur des autres. Alors voilà, autant que vous le sachiez, votre nouvelle camarade a été blessée. Dans son âme et dans son corps. Je dois dire que j'ai trouvé Monsieur Rambier remarquable. Eh ben moi aussi, hélas. T'as vu comment Mademoiselle Gauthier le regardait? Allô, Gérard, mais tu sais bien que c'est pas elle qui l'aime. Mais c'est encore pire. On n'a pas le droit de faire souffrir un être aussi merveilleux. Il faut savoir ce que tu veux. Oh, ben, si je savais ce que je voulais, je serais pas au collège des cœurs brisés. T'as raison, Gérard. Bon, cela dit, vous trouvez-vous que Geneviève, elle a de grosses fesses? Enfin, tu sais ce que c'est, hein. Quand on a le cœur brisé, on sait plus où on en est. Allez, viens, Geneviève. Nous allons nous asseoir, là. Oh, pardon. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Regardez comme ils sont mignons, tous les deux. Pourquoi? Voilà. Excuse-moi, Fabienne. Vraiment, je vais oublier. Bah maintenant, aidez-moi. Excuse-moi, Sylvie. J'oublie. Tu oublies. Elle oublie. Nous oublions. Vous oubliez. Elles oublient. Merci. Ça va mieux. Mets-toi à l'aise. Débarrasse-toi de ton plateau. Et viens près de moi. Merci, Julien. On y va ou on les laisse seuls? Non. Il faut les laisser. Ils ont le droit de s'aimer. M'aider, je reprends. J'oublierai. Tu oublieras. Elle oubliera. Nous oublierons. Vous oublierez. Elles oublieront. J'ai oublié. Tu as oublié. Il a oublié. Nous avons oublié. Vous avez oublié. Alors, qu'est-ce que t'en penses de mon idée? Écoute, je sais pas encore. Mais enfin, regarde-toi. Tu vois bien que j'ai raison. Écoute, Julien, je peux pas me regarder. Mais si, il le faut. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, Geneviève, regarde. Alors? Remarque, c'est vrai que j'ai un petit peu maigri. Tu es parfaite, Geneviève, parfaite. Tu as les plus belles fesses de l'univers. Tu parles, tu dis ça pour me consoler. Je sais bien qu'elles sont trop grosses, mes fesses. Mais arrête un peu tes complexes. Tu es belle, Geneviève, belle. Mais alors, pourquoi est-ce que Jean-Luc... C'est un fou, ton Jean-Luc, doublé d'un aveugle. Quand je pense qu'à cause de lui, tu as enduré toutes ces tortures. T'es sincère? Mais oui, regarde-toi. Marc, c'est vrai, elles sont pas si grosses que ça, mes fesses. Tu es sublime, Geneviève. Tu es aussi belle que les stars de cinéma. Tu crois? Regarde encore. Tu sais, Julien, grâce à toi, je revis. Mais tu me promets une chose. Tu diras rien aux autres, c'est promis? J'en mourrai de honte. D'accord, mais à une condition. Ce que tu veux. Répète après moi, je suis belle de la tête aux pieds. Mais je peux pas dire ça. C'est indispensable pour que tu guérisses. Je suis belle de la tête aux pieds. Ah, oh, mais ça fait du bien de dire ça. Attends, c'est pas fini. Répète, j'ai de belles fesses. Mais pourquoi? Parce que il faut que t'en sois convaincu. C'est la vérité. J'ai de belles fesses. J'ai de belles fesses. J'ai de très belles fesses. Mais tu te rends compte si les autres nous entendaient? Mais tu vois bien qu'il y a personne. Bon, je pose encore une ultime condition.
pour garantir mon silence. Mais pourquoi t'as déjà tellement fait pour moi? Bah justement, j'ai bien mérité une petite récompense. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Embrasse-moi. Comme ça, là, maintenant, tout de suite? Mais enfin, je suis toute nue. Et alors? Tu sais, Julien, grâce à toi, je suis guérie. Tu sais de quoi j'ai envie? Non, mais tu vas me dire.